Eh bien, salut tout le monde, c'est Mistral. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur du FIFA 16 pour de l'achat-revente. Donc une peau technique très simple pour les petits budgets. Donc c'est la tech style. Donc le principe est très simple, il suffit de mettre 150 aux enchères. Et une fois que vous avez eu votre carte de style à 150, il suffit de mettre prix de départ 200 et prix d'achat immédiat 250. Ou alors le mettre à 300 prix départ et 350 prix d'achat immédiat. Ça dépend pour certaines cartes style. Et ça dépend pour si vous avez du temps pour relister ou pas. Donc voilà, ça dépend. Donc voici l'exemple. Donc voilà, vous cherchez donc la sniper. Sniper ça marche bien. Vista ça marche bien. Canonnier ça marche bien aussi. Après il y en a d'autres, mais bon, ça marche pas très bien. Enfin, en tout cas, il faut beaucoup de temps pour lister. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui font déjà des offres à 150. Donc vous faites pareil, 150. Et après, si vous les avez, bah tant mieux. Si vous avez pas, bah tant pis. Vous réessayez encore la prochaine fois. Et voilà. Donc la finisseur qui marche bien aussi. Donc voilà, 150. Vista, canonnier, œil de lynx, ça marche bien. Donc voilà. Moteur, pas trop. Par contre, rock non plus. Rock, ça marche pas très bien. Par contre, tout ce qui est style gardien, défenseur, faut pas le faire, ça marche pas du tout. Canonnier, y a pas de souci, ça marche. Donc voilà, le principe est très simple, il suffit de mettre une offre à 150. Il suffit de gagner aux enchères avec une offre à 150. Vous relistez à 200, 250, enfin 200 prix départ et 250 en achat immédiat. Et pour certaines cartes de style, ça part dans l'heure, pour d'autres, il faut relister. Après, pour ceux qui ont beaucoup de temps pour relister, bah, je vous conseille de mettre un peu plus. Pour certaines cartes de style, voilà. Donc voilà, tout ce qui est sentinelle, tout ça, ça ne marche pas. Après chasseur, vous pouvez essayer de mettre une offre, mais bon, vous avez très peu de chances de la gagner parce que tout ce qui est carte chasseur, ombre, tout ça, ça coûte très cher. Voilà. Enfin, ceci dit, c'est après si vous arrivez à avoir une carte chasseur à 150, bah vous avez beaucoup de chance. Hein. Enfin voilà, il y a des gros bénéfices à se faire quand même. Donc voilà, donc vous voyez là, je suis baroque, ça marche pas du tout. Canonnier, ouais. Finisseur, donc voilà quoi. Donc moi, je dis ciao tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.